Il y avait des genres de l'eau par terre juste avant qu'on rentre sur scène et Guillaume a marché dedans et un moment aussi a glissé à cause de ça pendant le numéro, fait que c'était. Ce moment-là, c'était un peu. Ouais. On s'est fait proposer en fait la France Incroyable Talent, donc il y a des gens du casting qui ont vu la vidéo Alléluia qu'on avait fait. La chorégraphie, on l'a créée assez vite. Avec Matthew Richardson, c'est lui qui est à la base de tout ce projet-là et qui nous a approchés avec Guillaume parce qu'il voulait faire quelque chose à propos de nous. On va vous présenter un numéro contre l'homophobie. C'est une performance contre l'homophobie, mais notre objectif principal, enfin, du coup, ça, ce qui en découle, c'est qu'on voulait vraiment être le plus authentique dans la représentation de notre relation et la représentation aussi d'un couple gay. C'est important d'être confortable avec le fait d'aimer n'importe qui, et que ce soit un homme, une femme. Ce serait juste génial que les gens passent à travers la vie sans forcément avoir à se dire je suis ça ou je suis ça, et qu'on puisse vivre dans un monde où on est juste à l'écoute de qui on aime. Dans nos rencontres, c'était quand même très important qu'on présente ce genre de message, et que c'était aussi super d'avoir ce genre d'émission qui est l'initiative de demander des numéros comme ça. Il y avait des genres de l'eau par terre juste avant qu'on rentre sur scène et Guillaume a marché dedans, et quand on est rentré, on était en train de s'essuyer les pieds, blablabla. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais il y a un moment aussi à glisser à cause de ça pendant le numéro, fait que c'était. Ce moment-là, c'était un peu. Ouais. Je pense que j'étais ému pour plusieurs raisons. Je me sentais vraiment à nu sur scène, comme le plus que je me suis senti dans ma carrière, d'être non seulement avec mon mec sur scène, de faire ce message-là, de faire un numéro qui est un peu hors de ma zone de confort. J'étais vraiment, vraiment touché par la réaction du public. Il y avait des petits-enfants, il y avait des vieux, il y avait des noirs, il y avait des blancs, et tout ce monde-là qui se lève, puis qui nous donne leur support, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Il y a Hélène Segarra, je me rappelle, qui a dit quelque chose que je trouvais vraiment pertinent, qu'il y a des enfants qui vont regarder ça, et que peut-être ça va être la première fois qu'ils voient deux personnes du même sexe qui s'embrassent. Et c'est ça que c'est important que ça soit représenté aussi. Ce baiser-là, on en a parlé justement au moment où on faisait la vidéo. On voulait que ce soit explicite que c'est deux hommes et que c'est oui une amitié, mais que c'est vraiment une relation amoureuse aussi. Même si on a eu quatre oui, ça garantit pas qu'on va forcément continuer dans l'émission. Les juges et les producteurs se réunissent une fois que tout a été filmé. Apparemment, ça n'a pas été évident pour les juges. On n'a pas été choisi pour continuer en fait. En gros, on a été rappelé avant les demi-finales, finales, ben, avant l'enregistrement, pour nous dire qu'il y avait eu un désistement et nous proposer de remplir cette place-là. Évidemment, nous, on était à Montréal. On n'avait pas préparé de numéro parce que. C'est ça, on pensait qu'on faisait plus partie. On aurait aimé continuer et ça fait un peu mal au cœur de décevoir des gens qui nous attendaient éventuellement qu'on retourne dans l'émission. Je pense que le plus important, c'est qu'on ait eu l'occasion de présenter ce numéro-là et de partager ce message. C'est ça l'essentiel. De toute façon, la compétition, c'est secondaire pour moi, je pense. On a reçu zéro, pas un seul message de haine ou de colère. On a vraiment reçu, et Guillaume et moi, que des messages de soutien, des messages de gens qui disent que ça les aide. De toute façon, même si on avait juste une réaction qui soit bonne et 10 de mauvaise, ça aurait valu le coup. Donc.